prière de nettoyage et de purification. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, par la puissance du Saint-Esprit, je prie pour que la force de purification du précieux sang de votre Fils vienne sur moi maintenant. Purifiez-moi et lavez-moi avec le sang de Jésus depuis la tête jusqu'aux pieds. Que ce sang pénètre la moelle même de mes os pour me purifier de toute emprise des mauvais esprits avec lesquels je suis entré en contact. Faites descendre sur moi les dons du Saint-Esprit et rafraîchissez mon corps, mon âme et mon esprit. Que le signe de la Sainte Croix éloigne de moi tous les mauvais esprits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, par la puissance du Saint-Esprit, je prie pour que la force de purification du précieux sang de votre Fils vienne sur moi maintenant. Purifiez-moi et lavez-moi avec le sang de Jésus depuis la tête jusqu'aux pieds. Que ce sang pénètre la moelle même de mes os pour me purifier de toute emprise des mauvais esprits avec lesquels je suis entré en contact. Faites descendre sur moi les dons du Saint-Esprit et rafraîchissez mon corps, mon âme et mon esprit. Que le signe de la Sainte Croix éloigne de moi tous les mauvais esprits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, par la puissance du Saint-Esprit, je prie pour que la force de purification du précieux sang de votre Fils vienne sur moi maintenant. Purifiez-moi et lavez-moi avec le sang de Jésus depuis la tête jusqu'aux pieds. Que ce sang pénètre la moelle même de mes os pour me purifier de toute emprise des mauvais esprits avec lesquels je suis entré en contact. Faites descendre sur moi les dons du Saint-Esprit et rafraîchissez mon corps, mon âme et mon esprit. Que le signe de la Sainte Croix éloigne de moi tous les mauvais esprits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, par la puissance du Saint-Esprit, je prie pour que la force de purification du précieux sang de votre Fils vienne sur moi maintenant. Purifiez-moi et lavez-moi avec le sang de Jésus depuis la tête jusqu'aux pieds. Que ce sang pénètre la moelle même de mes os pour me purifier de toute emprise des mauvais esprits avec lesquels je suis entré en contact. Faites descendre sur moi les dons du Saint-Esprit et rafraîchissez mon corps, mon âme et mon esprit. Que le signe de la Sainte Croix
éloigne de moi tous les mauvais esprits. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, par la puissance du Saint-Esprit, je prie pour que la force de purification du précieux sang de votre Fils vienne sur moi maintenant. Purifiez-moi et lavez-moi avec le sang de Jésus depuis la tête jusqu'aux pieds. Que ce sang pénètre la moelle même de mes os pour me purifier de toute emprise des mauvais esprits avec lesquels je suis entré en contact. Faites descendre sur moi les dons du Saint-Esprit et rafraîchissez mon corps, mon âme et mon esprit. Que le signe de la Sainte Croix éloigne de moi tous les mauvais esprits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, par la puissance du Saint-Esprit, je prie pour que la force de purification du précieux sang de votre Fils vienne sur moi maintenant. Purifiez-moi et lavez-moi avec le sang de Jésus, depuis la tête jusqu'aux pieds. Que ce sang pénètre la moelle même de mes os, pour me purifier de toute emprise des mauvais esprits avec lesquels je suis entré en contact. Faites descendre sur moi les dons du Saint-Esprit et rafraîchissez mon corps, mon âme et mon esprit. Que le signe de la Sainte Croix éloigne de moi tous les mauvais esprits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, par la puissance du Saint-Esprit, je prie pour que la force de purification du précieux sang de votre Fils vienne sur moi maintenant. Purifiez-moi et lavez-moi avec le sang de Jésus depuis la tête jusqu'aux pieds. Que ce sang pénètre la moelle même de mes os pour me purifier de toute emprise des mauvais esprits avec lesquels je suis entré en contact. Faites descendre sur moi les dons du Saint-Esprit et rafraîchissez mon corps, mon âme et mon esprit. Que le signe de la Sainte Croix éloigne de moi tous les mauvais esprits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, par la puissance du Saint-Esprit, je prie pour que la force de purification du précieux sang de votre Fils vienne sur moi maintenant. Purifiez-moi et lavez-moi avec le sang de Jésus, depuis la tête jusqu'aux pieds. Que ce sang pénètre la moelle même de mes os, pour me purifier de toute emprise des mauvais esprits avec lesquels je suis entré en contact. Faites descendre sur moi les dons du Saint-Esprit et rafraîchissez mon corps, mon âme
et mon esprit. Que le signe de la Sainte Croix éloigne de moi tous les mauvais esprits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, par la puissance du Saint-Esprit, je prie pour que la force de purification du précieux sang de votre Fils vienne sur moi maintenant. Purifiez-moi et lavez-moi avec le sang de Jésus depuis la tête jusqu'aux pieds. Que ce sang pénètre la moelle même de mes os pour me purifier de toute emprise des mauvais esprits avec lesquels je suis entré en contact. Faites descendre sur moi les dons du Saint-Esprit et rafraîchissez mon corps, mon âme et mon esprit. Que le signe de la Sainte Croix éloigne de moi tous les mauvais esprits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les personnes intéressées par des médailles de Saint-Benoît bénites et exorcisées, du sel béni exorcisé, de l'eau bénite exorcisée, de l'huile bénite exorcisée, de l'encens béni exorcisé, peuvent en faire la demande à cette adresse guérison et délivrance @gmail.com. Prière de délivrance et de purification. Père céleste, sois béni pour ton Fils Jésus qui s'est offert sur la croix pour le pardon de mes péchés, ainsi que pour ton Esprit Saint qui me fortifie, me guide et me conduit à la plénitude de la vie. Je regrette sincèrement tous mes péchés. Je te demande pardon d'avoir manqué si souvent de justice et de charité. Je demande pardon pour moi-même, pour mes parents et mes ancêtres, de tout le mal qui a été commis. Père céleste, par le saint nom de Jésus, je soustrais au pouvoir de Satan toute ma vie et tout ce qui m'appartient pour les remettre entre tes mains. Par la lumière de ton Esprit Saint, donne-moi la force de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé et de confesser mes péchés dans une entière sincérité. Révèle-moi les recoins obscurs de mon âme et les fragilités qui ont pu donner à Satan la possibilité de s'infiltrer dans ma vie. Père céleste, je renonce à tout péché qui a permis à Satan d'exercer son emprise sur moi et j'abandonne tout chemin conduisant au mal. Au nom de Jésus, devant qui tout genou fléchit, au ciel, sur terre et en enfer, je chasse tous les esprits maléfiques et j'implore ta divine protection sur moi et sur tous ceux qui m'entourent. Par le saint nom de Jésus, que cesse toute emprise diabolique sur moi-même, sur ma famille, sur tout ce qui m'appartient, et que soit rétabli en moi et chez moi l'amour, la paix, la joie et la liberté. Père céleste, par l'invocation du précieux sang de Jésus, je défais tout lien avec les malédictions
la magie noire, les vexations, les obsessions, les infestations et les maladies d'origine diabolique. Au nom de Jésus, je casse et défais tout lien avec des personnes maléfiques, avec l'occultisme, les cultes sataniques et les adeptes des sectes sataniques. Père céleste, en Jésus et par votre commun esprit, remplis-moi de sagesse et d'amour, guide-moi partout et toujours selon ta sainte volonté, et fais que mes peurs et mes souffrances soient guéries par la douceur de ton amour. Amen. Prière de protection d'une maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur notre Dieu, trois fois saint, tout-puissant, immortel, Créateur du ciel et de la terre, Rédempteur, Sanctificateur, Protecteur, Libérateur, Vainqueur de Satan et de la mort, viens à notre secours et daigne faire descendre tes bénédictions sur cette maison. Que règne en elle, sur ses habitants et ses visiteurs, la victoire et la puissance du sang et du nom de Jésus-Christ, Verbe éternel fait chair dans le sein de la Vierge Marie, et désormais roi de l'univers en son humanité glorifiée, par son triomphe sur la croix et sa résurrection d'entre les morts. Amen. Dans la foi, j'entoure cette maison avec le sang de Jésus et le feu de l'Esprit-Saint, qui sont une enceinte infranchissable par tout esprit mauvais, humain ou démoniaque. Que toute autorité contraire à celle de Dieu soit détruite par la puissance de Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit mauvais, présent et agissant en cette maison. Par le sang de Jésus et dans le nom de Jésus, que ces esprits sortent de cette maison et de toute personne ici présente. Par le sang de Jésus et dans le nom de Jésus-Christ, je vous lie, esprit mauvais, et je vous chasse. Présentez-vous devant Jésus pour qu'il s'occupe de vous comme bon lui semble. Sang de Jésus, prix de notre salut, couvrez-nous ici et partout. Vierge Marie, terreur des démons, défendez-nous, gardez-nous. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Saints et saintes de Dieu, défendez-nous, gardez-nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prière de nettoyage et de purification. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, par la puissance du Saint-Esprit, je prie pour que la force de purification du précieux sang de votre Fils vienne sur moi maintenant. Purifiez-moi et lavez-moi avec le sang de Jésus depuis la tête jusqu'aux pieds. Que ce sang pénètre la moelle même de mes os pour me purifier de toute emprise des mauvais esprits avec lesquels je suis entré en contact. Faites descendre sur moi les dons du Saint-Esprit et rafraîchissez
mon corps, mon âme et mon esprit. Que le signe de la Sainte Croix éloigne de moi tous les mauvais esprits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, par la puissance du Saint-Esprit, je prie pour que la force de purification du précieux sang de votre Fils vienne sur moi maintenant. Purifiez-moi et lavez-moi avec le sang de Jésus depuis la tête jusqu'aux pieds. Que ce sang pénètre la moelle même de mes os pour me purifier de toute emprise des mauvais esprits avec lesquels je suis entré en contact. Faites descendre sur moi les dons du Saint-Esprit et rafraîchissez mon corps, mon âme et mon esprit. Que le signe de la Sainte Croix éloigne de moi tous les mauvais esprits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, par la puissance du Saint-Esprit, je prie pour que la force de purification du précieux sang de votre Fils vienne sur moi maintenant. Purifiez-moi et lavez-moi avec le sang de Jésus, depuis la tête jusqu'aux pieds. Que ce sang pénètre la moelle même de mes os, pour me purifier de toute emprise des mauvais esprits avec lesquels je suis entré en contact. Faites descendre sur moi les dons du Saint-Esprit et rafraîchissez mon corps, mon âme et mon esprit. Que le signe de la Sainte Croix éloigne de moi tous les mauvais esprits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière de bénédiction d'une chambre à coucher. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu, par l'aspersion d'eau bénite, chassez de cette pièce tout esprit impur qui pourrait troubler notre paix. Quels que soient les péchés qui ont été commis en ce lieu, daignez accorder votre pardon avec miséricorde et le nettoyer en profondeur par votre précieux sang. Envoyez vos saints anges veiller sur nous, afin que nous puissions être protégés de toutes les attaques de nos ennemis, reposer en paix, persévérer dans votre volonté et être comptés parmi les bienheureux du royaume des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On asperge la pièce d'eau bénite exorcisée pour sa purification et sa protection, et on met de l'huile bénite exorcisée en traçant des croix sur les murs, les portes, les armoires, les fenêtres, le lit, les chaises, les tables, etc.
prière de délivrance et de purification. Père céleste, sois béni pour ton Fils Jésus qui s'est offert sur la croix pour le pardon de mes péchés, ainsi que pour ton Esprit Saint qui me fortifie, me guide et me conduit à la plénitude de la vie. Je regrette sincèrement tous mes péchés. Je te demande pardon d'avoir manqué si souvent de justice et de charité. Je demande pardon pour moi-même, pour mes parents et mes ancêtres, de tout le mal qui a été commis. Père céleste, par le saint nom de Jésus, je soustrais au pouvoir de Satan toute ma vie et tout ce qui m'appartient pour les remettre entre tes mains. Par la lumière de ton Esprit Saint, donne-moi la force de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé et de confesser mes péchés dans une entière sincérité. Révèle-moi les recoins obscurs de mon âme et les fragilités qui ont pu donner à Satan la possibilité de s'infiltrer dans ma vie. Père céleste, je renonce à tout péché qui a permis à Satan d'exercer son emprise sur moi et j'abandonne tout chemin conduisant au mal. Au nom de Jésus, devant qui tout genou fléchit, au ciel, sur terre et en enfer, je chasse tous les esprits maléfiques et j'implore ta divine protection sur moi et sur tous ceux qui m'entourent. Par le saint nom de Jésus, que cesse toute emprise diabolique sur moi-même, sur ma famille, sur tout ce qui m'appartient, et que soit rétabli en moi et chez moi l'amour, la paix, la joie et la liberté. Père céleste, par l'invocation du précieux sang de Jésus, je défais tout lien avec les malédictions, la magie noire, les vexations, les obsessions, les infestations et les maladies d'origine diabolique. Au nom de Jésus, je casse et défais tout lien avec des personnes maléfiques, avec l'occultisme, les cultes sataniques et les adeptes des sectes sataniques. Père céleste, en Jésus, et par votre commun esprit, remplis-moi de sagesse et d'amour, guide-moi partout et toujours selon ta sainte volonté, et fais que mes peurs et mes souffrances soient guéries par la douceur de ton amour. Amen. Prière pour protéger sa personne, sa maison et ses biens. Père infiniment bon, par votre Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui a répandu son précieux sang sur la croix pour nous sauver, je vous consacre ma personne, ma maison et mes biens. Gardez-nous sous votre protection et sous la protection de la Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des saints anges, terrorisant ainsi démons et sorciers qui cherchent à me nuire. Au nom de Jésus-Christ, Sauveur du monde, et par son précieux sang, je scelle mon esprit, mon âme et mon corps, les fermant ainsi à l'accès des démons et des sorciers, imitant ce qu'avait fait Moïse en Égypte, qui pour préserver les Israélites de la main de l'ange exterminateur,
avait commandé de sceller les portes des maisons par le sang de l'agneau pascal. Faites, ô Père Tout-Puissant, que l'esprit d'iniquité, ainsi que les sorciers et les sorcières, n'aient plus de pouvoir sur moi, sur ma maison et sur mes biens, mais qu'ils s'enfuient et ne reviennent jamais. Amen. Alléluia. Prière de purification et de sanctification. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur douloureux et immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur douloureux et immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur douloureux et immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens en nous, Esprit de crainte du Seigneur, Esprit de piété, Esprit de science, Esprit de force, Esprit de conseil, Esprit d'intelligence, Esprit de sagesse, comble-nous de tes dons. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Exultons, soyons dans l'allégresse, car voici venir l'aurore d'une terre nouvelle. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus, dès maintenant, pour la purification et la sanctification de chacune des cellules de notre corps. Viens, Seigneur, renouveler le sang qui coule dans nos veines. Viens sanctifier chaque pore de notre peau. Viens régénérer notre cerveau, notre mémoire, notre cœur, notre âme, nos organes internes, chaque membre qui constitue notre corps. Béni sois-tu, Seigneur, pour les merveilles que tu accomplis en chacun de nous. Nous te prions, Seigneur, pour la sanctification du genre humain tout entier et de la nature tout entière, jusqu'au plus profond de la terre. Que l'ordre divin soit rétabli dans l'univers visible et invisible. Oui, car le Seigneur est à l'œuvre, grande est sa puissance, éternel est son amour. Il vient régner sur la terre en grande majesté. Là, plus de pleurs ni de cris, mais la gloire du Seigneur sur toute la terre. Amen. Les personnes intéressées par des médailles de Saint-Benoît bénites et exorcisées, du sel béni exorcisé, de l'eau bénite exorcisée, de l'huile bénite exorcisée, de l'encens béni exorcisé, peuvent en faire la demande à cette adresse guérison et délivrance @gmail.com. Prière pour tracer un cercle de protection contre les esprits mauvais. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que le règne de la très sainte Trinité s'établisse ici et maintenant, et qu'au nom de Jésus-Christ, l'agneau sans défaut et sans tache, mort et ressuscité pour nous les hommes et pour notre salut, soit chassé d'ici tous les esprits mauvais
démoniaque ou humain. En vertu de mon baptême et m'appuyant sur la parole même du Christ Seigneur, qui a promis que ceux qui croient en lui chasseront les démons, je vous expulse, esprits impurs, démons de toutes sortes et esprits humains voyageant dans l'astral. Soumettez-vous à Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qu'ils contiennent. Vos forteresses sont renversées, vos maléfices sont annulés, vos attaques sont rendues vaines, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Reine du Ciel, la Souveraine, Glorieuse et toujours Vierge Marie, vous terrorise et vous fait fuir par sa pureté immaculée. Disparaissez devant l'éclat de sa face, car elle est l'épouse du Roi des Rois, la toute belle et plus redoutable que des armées rangées en bataille. Cédez la place à la Reine du Ciel, choisie par Dieu trois fois saint, pour écraser la tête du serpent avec son talon. Seigneur Jésus-Christ, dans ton amour et ta miséricorde infinie, trace un grand cercle de protection autour de moi, de mes proches et de nos biens. Que tes saints anges nous entourent de leur lumière éblouissante et nous rendent ainsi immunisés contre les forces du mal et leurs influences. Au nom de Jésus-Christ, qu'aucun lien magique ne puisse m'atteindre, qu'aucun portail ne puisse être ouvert dans ce cercle de protection, qu'aucune entité démoniaque, projection astrale ou esprit humain désincarné ne puisse y pénétrer, et que toute personne malfaisante qui entre dans ce cercle soit dépossédée de ses mauvais pouvoirs. Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit impur qui approchera de ce cercle de protection soit rendu sourd, muet et aveugle, dépouillé de ses armes et de sa puissance, empêché de communiquer ou d'interagir de quelque manière que ce soit avec d'autres esprits impurs, mais qu'il soit projeté au pied de la croix glorieuse, afin que le Seigneur s'occupe de lui comme bon lui semble. À lui, gloire, honneur et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Prière de guérison intérieure avec le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te donne chaque occasion où j'ai condamné autrui et celle où j'ai été condamné injustement. Toi, Seigneur, donne-moi ta patience et ton humilité pour supporter le mal que l'on me fait. Seigneur Jésus, je te donne mon innocence perdue, les blessures et les plaies du passé et du présent, ma solitude, mes peines de cœur, mes espoirs et mes rêves brisés. Toi, Seigneur, donne-moi la joie de ton salut pour garder l'espérance malgré tout. Seigneur Jésus, je te donne mes chutes et mes échecs, mes découragements et mes errances, ma complaisance dans la tristesse et la mélancolie.
toi, Seigneur, donne-moi ta paix inébranlable pour avancer vers ton royaume de lumière. Seigneur Jésus, je te donne mes angoisses et mes peurs, mes doutes et mon manque de foi. Toi, Seigneur, donne-moi de m'abandonner à ta divine providence qui jamais ne se trompe en ses desseins. Seigneur Jésus, je te donne mes refus d'aider autrui lorsqu'il était en mon pouvoir de le faire, ainsi que toutes les occasions où j'ai rendu le fardeau de quelqu'un d'autre plus lourd au lieu de l'alléger. Toi, Seigneur, donne-moi ton amour et ta miséricorde, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Seigneur Jésus, je te donne ma lâcheté à témoigner de ta résurrection devant les hommes, par crainte d'être mal aimé. Toi, Seigneur, donne-moi de vivre sous ton regard et non sous le regard des hommes. Seigneur Jésus, je te donne le poids de mes péchés commis en pensée, en parole, par action et par omission. Toi, Seigneur, donne-moi ton pardon et ta miséricorde pour que je retrouve ma dignité d'enfant de Dieu. Seigneur Jésus, je te donne les fois où j'ai négligé de me tourner vers toi dans la prière et où j'ai douté de ton amour pour moi. Toi, Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint afin qu'il me garde dans une sainte dévotion envers toi, sûr que tu m'écoutes toujours. Seigneur Jésus, je te donne mes paroles inutiles et blessantes, mes grossièretés et mes insultes. Toi, Seigneur, donne-moi un beau langage, un langage d'amour et de lumière, le langage de ta louange en tout temps. Seigneur Jésus, je te donne ma vie humaine, mon âme, mon corps et tous mes biens extérieurs et intérieurs. Toi, Seigneur, donne-moi ta vie divine, ton âme et ton corps qui contiennent tous les biens. Amen. Prière de guérison intérieure. Seigneur Jésus, qui êtes venu guérir les cœurs blessés et éprouvés, je vous prie de guérir tous les traumatismes qui ont pu troubler le mien. Je vous prie en particulier de guérir ceux qui sont cause de péché. Je vous demande d'entrer dans ma vie, de me guérir des traumatismes psychiques qui ont pu blesser ma petite enfance et des blessures qu'ils ont provoquées tout au long de ma vie. Seigneur Jésus, vous savez mes difficultés. Je les dépose toutes dans votre cœur de bon pasteur. Je vous prie, par la grande plaie ouverte dans votre cœur, de guérir les blessures qui sont dans le mien. Je vous prie, par la grande plaie ouverte dans votre cœur, de guérir les blessures qui sont dans le mien.
je vous prie, par la grande plaie ouverte dans votre cœur, de guérir les blessures qui sont dans le mien. Guérissez les blessures de mes souvenirs, afin que rien de ce qui m'est arrivé ne me laisse dans la douleur, dans l'angoisse, ni en préoccupation. Guérissez, Seigneur, toutes les blessures qui, dans ma vie, ont été cause ou racine du péché. Je veux pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Regardez ces blessures intérieures qui m'empêchent de pardonner. Vous qui êtes venu guérir les cœurs affligés, guérissez mon cœur. Vous qui êtes venu guérir les cœurs affligés, guérissez mon cœur. Vous qui êtes venu guérir les cœurs affligés, guérissez mon cœur. Accordez-moi la guérison des douleurs qui m'oppressent au souvenir de la mort de personnes qui m'étaient chères. Faites que je puisse retrouver la paix et la joie dans la certitude que vous êtes la résurrection et la vie. Faites de moi un témoin authentique de votre résurrection, de votre victoire sur le péché et sur la mort, et de votre présence vivante au milieu de nous. Ainsi soit-il. Prière de guérison intérieure. Seigneur Jésus, que l'amour de votre cœur m'envahisse. Apprenez-moi à me souvenir que je suis aimé de vous depuis le moment où je fus conçu jusqu'à ce jour et pour toujours, car vous êtes amour. Guérissez-moi de toute blessure intime qui a atteint mon corps, mon cœur, ma sensibilité, ma mémoire, mon imagination, mon intelligence, ma volonté. Libérez mon être de tout lien, de toute chaîne qui rend esclave. Par l'Esprit Saint, je veux vivre libre et joyeux à votre service et au service de mes frères et sœurs. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, pour la gloire du Père, dans l'amour de l'Esprit Saint, je me donne à vous entièrement, corps, âme et esprit. Merci de m'avoir créé, merci de m'avoir sauvé, merci de me sanctifier. Amen. Prière de guérison intérieure des blessures de l'enfance. Seigneur, je vous demande de venir dans mon cœur et de toucher tout ce que j'ai vécu et qui a besoin d'être guéri. Remplissez-moi de votre amour. Où que vous découvriez l'enfant blessé, posez la main sur lui, consolez-le, libérez-le. Étendez vos bénédictions jusqu'au moment où j'étais dans le sein de ma mère et supprimez toutes les barrières qui ont porté atteinte à l'unité de mon être pendant les mois où elle m'attendait. Accordez-moi un grand désir de vivre et guérissez-moi de tout traumatisme physique ou psychique subi en venant au monde. Merci Seigneur d'avoir été là pour me recevoir dans vos bras au moment même de ma naissance, de m'avoir accueilli sur cette terre
et assuré que jamais vous ne m'abandonneriez. Seigneur, pénétrez mon enfance de votre lumière et guérissez tout ce qui a porté atteinte à ma liberté. Si j'ai manqué d'amour maternel, envoyez-moi Marie, votre mère, pour qu'elle y pourvoie. Demandez-lui de me prendre contre son cœur et de remplir tout vide de mon être qui aurait besoin du réconfort et de la chaleur que seule une mère peut donner. Peut-être l'enfant enfoui en moi se sent-il privé d'amour paternel. Seigneur, libérez-moi pour que je crie « Abba, Papa » de tout mon être. Si j'ai manqué d'amour paternel et de sécurité, pour avoir l'assurance que l'on m'a désiré et aimé très profondément, je vous demande de me garder sur votre cœur et de me faire sentir la force de votre bras protecteur. Rendez-moi confiance pour affronter les luttes du monde dans la certitude que l'amour de mon Père me soutiendra si je trébuche et tombe. Accompagnez-moi tout au long de ma vie, Seigneur, et réconfortez-moi chaque fois que les autres me semblent désagréables. Guérissez les plaies ouvertes par les rencontres qui m'ont traumatisé, qui m'ont refermé sur moi-même ou qui ont dressé des barrières entre les autres et moi. Si je me sens seul, abandonné et rejeté du monde, accordez-moi, Seigneur, par votre amour qui guérit, une conscience nouvelle de ma valeur personnelle. Je me donne à vous, corps et âme, et je vous remercie de m'avoir créé et recréé. Amen. Les personnes intéressées par des médailles de Saint-Benoît bénites et exorcisées, du sel béni exorcisé, de l'eau bénite exorcisée, de l'huile bénite exorcisée, de l'encens béni exorcisé, peuvent en faire la demande à cette adresse guérison et délivrance @gmail.com. Audio Jungle.
Audio Jungle.